D'accord, donc on passe à l'examen 2018. Alors l'exercice 1, toujours donc, on revient à la famille des alcènes. L'exercice 1 vous donne les substrats insaturés, donc des composés insaturés. Ils subissent une série de transformations pour obtenir des produits dont certains sont optiquement actifs, représentés en projection de crâne, le ou bien les stéréoisomères obtenus. On vous demande aussi de déterminer les configurations optiques ou géométriques de tous les substrats des composés formés, des produits formés. Alors, on va commencer par le premier composé. Alors, en présence d'oxydosmium, un alcène, suivi d'une hydratation, vous avez le même composé. Alors, la réaction se fait sur le même composé, sur le même alcène. On va rajouter un père acide suivi d'une hydratation. On va commencer avec ces deux premières réactions. Il reste d'autres réactions. On va commencer par ces deux premières. Alors, pour la première réaction, l'oxyde d'osmium, qu'est-ce que vous avez comme réaction? Oxydation ménagée. Oxyde d'osmium, oxydation ménagée. Bon, c'est une oxydation douce. D'accord? C'est une oxydation douce. Donc, vous formez avec ça, vous formez quoi? Diol. Très bien. Donc, vous aurez des diols. Anti. Voilà, deux diols de configuration différente. Donc, c'est une addition signe. Donc, l'oxyde d'osmium fait une addition signe. Alors, un autre réactif peut donner les mêmes produits. Lesquels? Kamana 4 mois dilué. KaMNO4 dilué. Voilà. Donc, le KaMNO4 dilué vous donne le même produit. Vous aurez toujours une addition, une syn-addition, une formation de diol. Bien sûr, il faut respecter la configuration du produit de départ. Et si vous avez un E, la configuration de produit de départ, c'est un E. Donc, les produits obtenus dépendent de la configuration du produit de départ. D'accord? Donc, l'attaque se fait de part et d'autre du plan. Donc, vous aurez un oxyde d'osmium, il fait une attaque, il forme un diol signe addition d'en haut. Un autre, il en fait la même chose à 50% d'en bas. Vous aurez donc deux composés final avec le stéréoisomère E. Si vous changez de stéréoisomère avec le Z, vous obtenez deux autres stéréoisomères différents. Bon, c'est une réaction. Comment elle est? Le point de vue sélectivité, comment? Est-ce qu'elle est stéréospécifique? Est-ce qu'elle est... Alors, Stéréosélecté. elle est stéréospécifique. Donc, c'est une réaction qui est stéréospécifique. Avec l'isomère E, on obtient deux composés, deux configurations. Et avec l'isomère Z, vous obtenez deux autres configurations différentes. Voilà. Avec le père acide, qu'est-ce qu'on obtient? Père acide suivi d'une hydratation. Bien sûr, avec le même composé. On démarre avec le même alcène de configuration E. Vous ajoutez un père acide. Puis après, vous allez rajouter l'eau. Vous allez faire l'hydratation. Le père acide vous permet de former quoi? Quel est le rôle du père acide? Époxy. L'époxyde, d'accord, c'est l'époxydation. Donc, on peut faire l'époxydation ou bien en présence d'oxygène, en présence du zinc, voilà, ou bien en présence de père acide. Donc, les deux réactifs peuvent vous donner un époxyde. Alors, l'époxydation, bien sûr, elle se fait de part et d'autre du plan, d'accord, toujours. Maintenant, dans la deuxième étape, dépend de ce que vous allez rajouter après. Donc, maintenant, ici, vous rajoutez de l'eau, donc vous allez faire rajouter de l'eau du côté opposé de l'époxyde. Un alcool Voilà, du côté anti. opposé de l'époxyde. La réaction radicale est allée stéréospécifique.
On va voir le compte, enfin le détail de la réaction. Alors, avec l'oxyde d'osmium, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc vous obtenez, donc avec KaManuCl dilué, l'oxydation est aussi douce. C'est une syn-addition. Elle nous permet d'avoir un diol syn-addition. Vous aurez deux configurations différentes. Donc les deux OH se fixent du même côté, de part et d'autre du plan. Donc vous aurez des configurations différentes. Donc si on veut lire les configurations, nous partons d'une configuration E, nous obtenons RS et SR. Donc on peut prévoir aussi avec le pair acide. Avec le pair acide suivi d'une hydratation, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors là, c'est plus une addition. C'est toujours des diols, mais la configuration va être différente. Pardon? C'est pas une signe addition lorsqu'on utilise C'est le une péracide. addition antiparallèle. Oui. Mais c'est toujours des diols. Mais est-ce que les configurations seront différentes? Non. Non. Alors, regardez, avec E, la configuration E, avec l'isomère E, l'alcène de configuration E, nous obtenons RS et SR. Maintenant, Oui, avec madame, différent. Mais qui bien connaît sûr. RRSS. Non, je parle avec les. Voilà. Là, avec l'oxyde d'osmium, c'est une addition syn-addition. Nous obtenons RS et SR. Maintenant, avec le deuxième composé, avec le pair acide, nous obtenons une antiparallèle. Donc, c'est une addition antiparallèle. Vous obtenez quoi? Est-ce que c'est les mêmes configurations? Non, c'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Vous allez obtenir RR et SS. D'accord? Maintenant, si on veut avoir, par exemple, toujours avec le même composé, mais on veut avoir RR et SS, on doit démarrer avec quoi? Avec un ancien Z. Très bien. Voilà. Donc, en changeant la configuration du produit de départ, vous obtenez RR et SS. Très bien. Donc, on va faire la même chose avec le pair acide, l'alcène et le pair acide. D'abord, vous formez l'époxyde et puis après, vous allez avoir des diols transversaux. Alors, les configurations sont les suivantes. Vous allez avoir RR et SS. Voilà. Et si on veut avoir RS et SR, on doit démarrer avec l'alcène de configuration Z. Donc, c'est une époxydation suivie d'une addition antiparallèle de d'eau sur l'époxyde. Voilà, tout ça, vous l'avez vu dans la fonction. Vous avez vu ça, les alcools, et vous avez vu ça aussi dans la fonction alcène. Ça, c'est les deux premières molécules. Alors, une autre réaction vous donne un cycle, toujours l'alcène, hein, l'alcène cyclique. On va rajouter maintenant la configuration Z. Donc, c'est la première des choses à faire. Si on vous donne l'alcène, il faut d'abord donner la configuration. Avec la configuration, vous aurez une idée de ce que vous allez obtenir tout à l'heure. D'accord? Ici, il n'y a pas de carbone asymétrique. Voilà, la configuration du produit de départ, c'est Z. Alors, BH3, en présence de THF comme solvant, suivi d'une oxydation avec l'oxygéné et l'ajout d'une base. Ça, c'est quoi comme réaction sur la scène? Et de l'oboration. C'est l'hydroboration. Alors, l'hydroboration, comme vous le savez, c'est une réaction d'addition Anti-Markovnikov. anti-Markovnikov. Donc, vous obtenez l'alcool de classe. Est-ce que vous allez obtenir un alcool de classe supérieure ou là de classe inférieure Inférieur. par rapport à l'hydratation normale? Donc, l'hydratation normale vous donne un alcool de classe supérieure, tandis que l'hydratation anti-Markovnikov ou bien l'hydroboration vous donne un alcool de classe inférieure. Voilà. Là déjà, vous allez imaginer votre alcool, comment il va se faire. N'oubliez pas que l'addition électrophile enfin, de BH3
sur la scène. Donc l'addition électrolyte se fait. C'est une addition comment? Est-ce qu'elle est anti ou bensine? Signe, madame. C'est une signe. Donc le H et le OH, ils vont se fixer du même côté. D'accord? Le H et le OH se fixent toujours du même côté. Ça va vous aider à trouver la configuration du produit final. D'accord? Quand vous avez un alcène et vous faites l'hydroboration, sachez que le H et le OH se fixent du même côté. D'accord? C'est une signe addition. Voilà, sur l'hydroboration. Antimarkovnikov, vous obtenez l'alcool secondaire, rien, par rapport à l'alcool tertiaire, parce qu'on pouvait avoir le OH ici. Maintenant, on va avoir le OH de classe inférieure, il va se fixer là. Mais ce OH-là, il va être justement de classe secondaire. Si on l'avait fixé là, il sera de classe tertiaire. D'accord? Et n'oubliez pas que c'est une signe addition. L'addition électrophile d'hydroboration, c'est une addition signe, c'est-à-dire le H, bon, le BH3, il va se transformer en OH, hein? Le BH2 plutôt. Alors le H et le OH se fixent du même côté. Donc on aura le H et le OH ou bien vers l'avant ou bien vers l'arrière. Donc vers l'arrière vous donneront cette configuration et vers l'avant vous donneront l'autre configuration. Maintenant, il faut voir la configuration. Il y a deux carbones asymétriques. Voilà, là, c'est des carbones asymétriques. La configuration, il faut la lire. Donc, là, j'ai trouvé que c'était RR. Pour le deuxième composé, ce sera le SS. Alors, le composé HEDA, il présente deux types de configurations. Il y a l'isomérie optique et géométrique. Donc, vous obtenez justement le trans RR et le trans SS. Toujours, on trouve le trans RR et le trans SS. Voilà. L'essentiel, la configuration, elle est complètement différente. Voilà les composés finaux qu'on vous a demandé. Mais si vous aviez au préalable fait une hydratation normale, le OH va se fixer de ce côté-là. Et l'attaque va se faire de part et d'autre du plan. Vous allez avoir les quatre stéréoisomères. Si on avait fait une addition électrophile de l'eau, l'hydratation normale, ici vous allez avoir les quatre stéréoisomères des deux carbones asymétriques. Ah non, non. Si on avait fait une hydratation normale, là vous allez avoir un H, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de carbone asymétrique. Attention, l'hydratation normale sur ce cycle-là, vous n'aurez pas de carbone asymétrique, ni de stéréoisomère géométrique. D'accord? Donc il faut vérifier, hein? Parce que si on fixe un OH ici, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous allez avoir un H. Donc vous allez avoir, on va estimer qu'il y a un carbone asymétrique, mais vous allez avoir une symétrie qui fait que cette molécule-là ne contient pas de carbone asymétrique. Donc l'hydratation normale vous donnera un composé qui n'a pas de configuration ni optique ni géométrique. Il faut l'écrire. Donc il faut réécrire l'addition selon Markovnikov de l'hydratation. Vous allez trouver un autre composé qui ne contient ni isomérie optique ni isomérie géométrique. Alors que celui-là, l'hydroboration, vous donne un composé final qui contient les deux. Isomérie géométrique et optique. D'accord jusque-là? Oui. Est-ce que vous avez compris que l'hydratation normale vous donne un composé qui ne contient pas de carbone asymétrique ni de isomérie géométrique? Vous avez refait la réaction avec le même composé. Mais des eaux H+, en présence de H2O, vous allez voir que vous allez obtenir un composé qui ne contiendrait pas de carbone asymétrique ni d'isomérie géométrique. D'accord? C'est bon? Alors,
toujours sur le même composé, sur le même alcène, Z de configuration Z toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah voilà, j'ai pas fait attention qu'il y avait aussi l'hydratation normale. Alors l'addition électrophile, selon Markovnikov, ce que j'ai dit tout à l'heure, regardez, donc vous avez le plus delta ici et le moins delta ici. Si on fait l'addition, premièrement l'addition électrophile, donc la double liaison va prendre le H+, on va former le carbocation le plus stable qui va se former ici. En bas de l'eau, H2O, il va attaquer et il va former l'alcool. Mais ça sera selon Markovnikov. Vous allez voir, vous obtenez un alcool tertiaire, mais sans configuration, ni carbone asymétrique, ni configuration optique. D'accord? Ni isomérie géométrique, ni stéréoisomérie optique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, voilà les deux additions selon Markovnikov, anti-Markovnikov, ce qu'elle a. Il suffit de changer les ingrédients de la réaction, vous obtenez des composés complètement différents. Bon, c'est vrai qu'ici, on a fait en arrière et en avant, mais il n'y a pas y a pas de carbone asymétrique. Hein? D'accord? Voilà. Toujours sur le même. Maintenant, sur les alcynes. Alors, sur les alcynes, on vous demande de faire. Pardon. Alors. On va faire deux types d'hydrogénation. Une hydrogénation chimique, C'est une réduction. c'est la réduction, d'accord? C'est une addition, comment elle est? Addition C'est une addition antiparallèle, d'accord? C'est une addition antiparallèle. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est-à-dire les deux hydrogènes vont se fixer de part et d'autre du plan de façon anti-parallèle. D'accord? Donc vous allez avoir un composé de configuration différente si on avait fait une hydrogénation catalytique normale. Elle dit que c'est une hydrogénation chimique, donc c'est une oxydoréduction. D'accord? Vous aurez une isomérie géométrique avec ce composé. De configuration E. Donc l'isomère géométrique que vous obtenez, il est de configuration E. Si on avait fait une hydrogénation catalytique au lieu d'une hydrogénation chimique, qu'est-ce qu'on va obtenir? Un alcène? Alors nous allons prendre la même chose. On va faire H2 en présence du palladium. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà. Donc, H2 avec le palladium de Lindla, c'est une fine addition, ce n'est pas une addition antiparallèle. Ça vous donnera, et c'est une hydrogénation catalytique. C'est différent. D'accord? On utilise un catalyseur. Tandis que la première, c'était une hydrogénation chimique avec une réaction d'oxydoréduction, avec une réduction de l'alcyne. Un alcène que vous obtenez, ça sera de configuration géométrique. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Les deux hydrogènes vont venir du. Alors, Même bon, côté. du même côté, voilà. Vous aurez un alcène de configuration Z. Configuration E. Voilà. Ils vont venir du même côté. Vous voyez que dans cet examen, on vous a donné tous les cas. Avec l'alcène, on a fait l'addition, la formation de diols trans et la formation de diols antiparallèles. Avec justement l'addition de l'eau, l'hydroboration vous donne un alcool de classe inférieure. L'hydratation normale sur l'alcène vous donne un alcool de classe supérieure. Maintenant, la même chose avec l'alcyne.
L'hydrogénation avec deux méthodes différentes, chimiques et catalytiques, vous donneront deux composés, deux alcènes, deux différentes configurations. D'accord? Donc on a tous les cas possibles. C'est bon? Oui. Voilà, donc on est en train de redire ce qu'on a déjà expliqué.